dans la baie de Cannes, l'abbaye de Lérins est au cœur d'un chantier de restauration exceptionnel. C'est l'un des sites les plus majestueux du littoral méditerranéen. Fondée au début du 5e siècle sur l'île Saint-Honorat, ce monastère abrite un patrimoine architectural monumental. En Orient, les moines étaient partis se réfugier au désert pour vivre la vie monastique. Alors en Occident, on n'a pas de désert physique, comme on l'entend avec les dunes de sable, etc. Donc les moines vont s'installer sur des îles. Lérins est un des tout premiers et c'est quand même un des rares qui soit resté actif. Il n'y a pas d'autre exemple, je pense, d'un monastère qui ait développé un tel patrimoine en fait, au cours du temps. Chaque jour, le frère Vincent emprunte le sentier littoral qui borde l'île. Ce chemin, il est très important. C'est le seul axe qui permet de faire le tour de l'île, de découvrir l'île dans toutes ses dimensions. Donc c'est un chemin très emprunté par la communauté monastique quand les frères veulent se promener, veulent méditer et on va dire savourer aussi la beauté et la paix qu'on trouve ici sur Saint-Honorat. Le sentier littoral conduit le frère Vincent au pied d'un édifice spectaculaire. C'est le monument emblématique de l'île Saint-Honorat, un monument très atypique d'un point de vue architectural, puisque c'est une tour qui, progressivement, est devenue un monastère. Cette tour, édifiée à partir de la fin du XIe siècle, est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Certaines des consoles qui soutiennent les mâchicoulis sont dans un état préoccupant. Pour les remplacer, de nouvelles pierres ont été acheminées sur l'île. Le frère Vincent veut s'assurer auprès du chef des maçons, Jacques Donnex, qu'elles s'intégreront parfaitement au monument. Bon, bah là, on va monter une console. Ces nouvelles pierres proviennent d'une carrière italienne. Pour les trouver, Jacques Denex a mené une véritable enquête. On a cherché un moment parce que c'est une pierre qui a la particularité, elle semble blanche, mais en fait, suivant les rayons du soleil, elle devient dorée. Vous voyez qu'on a, on a des tons très différents. C'est un peu d'oxyde de fer qui doit se trouver dans la roche qui fait ce changement de couleur. Et c'est typique de la pierre qu'on a ici. C'est un véritable enchantement, la couleur de la tour. Hein. Les couchers de soleil au mois de juillet, elle est quasiment orange. Et on voit bien, là, il y a eu des réparations par un Jules Formiger dans les années 1903-1904. Et vous voyez que vous avez de la pierre beaucoup plus blanche et qui, elle, reste blanche. Pendant que les nouvelles pierres sont montées au sommet de l'édifice, le frère Vincent veut nous présenter l'incroyable trésor caché derrière les murailles de la tour. Au départ, cette tour est une simple tour-refuge. En cas de menace, les moines venaient s'y réfugier. Et à partir de 1390 environ, ils l'aménagent pour en faire leur lieu de vie permanent. Ce bâtiment, ils vont le transformer, l'agrandir, pour y retrouver tous les espaces, les lieux de vie qu'on trouve habituellement au Moyen-Âge dans un monastère. Le cloître, la chapelle, le réfectoire. Et c'est tout à fait unique au monde d'avoir un monastère condensé dans une tour. Au sommet de la tour, Jacques Denex se prépare à réceptionner l'une des nouvelles pierres. On a là toute la problématique de nos consoles où on voit que les pierres sont vraiment très fragmentées. Vous voyez tous ces petits fragments. Alors, ces petits fragments peuvent se décrocher sans dommage pour l'ouvrage, mais tomber sur quelqu'un qui serait en dessous. Et puis après, on voit bien que quand même les dommages sont importants puisqu'on a des fissures caractéristiques de pierres qui vont se briser. Donc, il est grand temps de les remplacer par des consoles neuves, des pierres neuves qui vont reprendre ce travail à meilleur compte.
C'est la partie la plus délicate de l'opération. La pierre, qui pèse près de 500 kg, est suspendue au-dessus d'un vide de 17 mètres. Oriente, 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 oriente. Oriente, roule doucement. Moule, moule, moule. Là, c'est bien. On décroche. C'est toujours délicat, on appréhende toujours notre métier avec humilité. Il ne faut jamais être trop sûr de soi. Chaque pierre comme ça a sur le dos plus de 7 tonnes de charge. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas, mais il faut quand même y prêter l'attention que ça mérite. Une cinquantaine de pierres vont ainsi être remplacées sur l'ensemble des consoles de la tour. C'est un chantier qu'on fait une fois dans sa vie. C'est le nec plus ultra du monument, même si on est toute l'année sur des édifices extraordinaires et emblématiques. Là, on est sur quelque chose, un lieu qui a une âme, un lieu qui vit et qui est porteur de toute une histoire. Au cours de son histoire, l'abbaye de Lérins a été plusieurs fois remaniée. Les bâtiments actuels ont été érigés entre le 11e et le 19e siècle. Aujourd'hui encore, une vingtaine de moines y vit à l'écart du monde. D'ici, du sommet de la tour, on a vraiment un panorama exceptionnel sur l'ensemble de l'île, avec au premier plan l'abbaye. On aperçoit les bois, les forêts, on voit la petite chapelle Saint-Pierre qui sort de la végétation. C'est toute l'île d'ici qu'on contemple. On est en retrait par cette position sur cette île qui est à environ 15 minutes en bateau du continent. Et j'aime beaucoup, en venant ici, me rappeler que même si on prend une certaine distance vis-à-vis du monde, de la société. C'est un recul, mais ce n'est pas un isolement.